amis téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans la nouvelle édition ça, émission pour la Haïti 360. L'école va l'ouvrir, nous pas qu'à déroger, nous à principe, il faut que nous parlions d'éducation dans l'émission pour là. Mais à ce moment-là, nous allons faire le point autour de l'ouverture de l'école là, mais de un élément spécifique dans l'éducation dans le pays d'Haïti, qui c'est question de nouveau secondaire, qui est un élément nouveau, qui a implémenté depuis quelques temps déjà, et que je vous dis, il y a une réalité presque incontournable dans le système, dans l'idée pour améliorer le système d'éducation. Jean Monelli, pas qu'à gagner un changement sans éducation, et éducation, c'est lui-même qui fait monde, ben, atteindre l'humanité comme monde. À ce moment-là, nous allons regarder qui Jean, nouveau secondaire, qui a aidé, bon pi bon l'école, et bon seul l'école, vrai Jean, en pile monde toujours a fait vœu ça, mais qui pour jamais en réalité, nous allons voir avec des spécialistes en un domaine, là, yon spécialiste en particulier, yon monde qui est responsable, même question nouveau secondaire, dans le niveau ministère éducation, vos éléments, ça, en dans système dans l'IEM marché, qui s'acta de fait pour améliorer, et comment étudiants, yo, écoliers, yo, parents, yo, et même l'école, yo, yo, même, yo, arrivé à absorber un bel élément de changement, ça, dans le système. Là. Pour découvrir vite, ya, même gens, chaque soir, après pause là, vite avec, pour nous commencer à parler, parole éclairée, en émission pour là, Haïti 360, côté promotion, connaissance utile là, pas jamais. N'a pas tout de suite. Maxime Mezila, c'est directeur enseignement secondaire dans le niveau ministère de l'Éducation nationale. C'est lui-même qui prend rien pour le débat ensemble avec nous à Souéa, sous état et avancement et implémentation nouveau secondaire ça dans le système éducatif haïtien. Il y a un nouveau secondaire qui fait naître en pile l'espoir, mais tout qui bat quelques problèmes. Et problème ça, justement, nous prenons pour aborder avec l'émission pour la Haïti 360. Dans l'idée pour qui est une solution et dans l'idée pour permettre pour comprendre l'élément nouveau ça, nouveau secondaire qui est dans le système là et comment on a orienté petit tout en dedans pour le cadre de nos citoyens, tout bon citoyen qui est éduqué, mais qui est capable tout et intégrer en la société ya, et pour tes contributions nous permettre que nous avons une société qui est valable, une société qui est juste, un pays qui est égalitaire puis devant et un pays tout qui est moderne, qui est capable de dire, qu'on est capable de dire, un bel développement n'est pas une utopie encore, mais son réalité que haïtien capable d'atteindre. Maxime Mezilas, bienvenue dans Haïti 360. Merci Yonel qui t'a profité de l'occasion pour me saluer tout auditeur, téléspectateur et radio-télévision nationale d'Haïti. M'a profité de l'espace à tout pour me saluer le ministre de l'Éducation nationale, M. Pierre-Jean-Jean Jean-Gardet, directeur général, M. Ménuel Jeune, et puis tout collègue, tout élève, tout parent qui a suivi nous là et qui a intérêt dans ce débat là. Merci un peu. Nouveau secondaire, son parole qui a parlé depuis longtemps, le ministre de Maniga, il y a un apôtre. Nouveau secondaire, il faut pile plaidoyer pour permettre que nous vivions une réalité vraie dans le système éducatif là. En pile, nous avons parlé de lui, mais pas tout le monde qui maîtrisait ça crée les nouveaux secondaires. Maxime Mezilas, Asouya, ton titan, okay. Expliquez population en quelques minutes qui ça nouveau secondaire y est tout bon dans le système éducatif haïtien. Merci. Comme on bien dit, mon son technicien qui a travaillé longtemps dans les questions de nouveau secondaire, là, je travaille déjà comme professeur de mathématiques, consultant mathématiques pour nouveau secondaire, là, je passe chef de service de développement pédagogique, mm-hmm. Ensuite assistant directeur à l'enseignement secondaire, pour me coordonnateur du nouveau secondaire, ensuite puis directeur de l'enseignement secondaire qui, bon, en plus le monde me dit, mais son dossier, c'est comme d'adou, c'est petit moins nouveau secondaire là, et nous mettons jouer dans notre souffle à travers éducation. Bon, bien sûr, nouveau secondaire, son réponse, on dit, son réponse à secondaire qui est là, qui est le secondaire traditionnel là. Pour qui ça réponse à l'école secondaire qui sont l'école qui fabriquait échec. Fabriquer échec parce qu'en réalité, résultat n'a pas jamais changé. Il y a un processus extraordinaire à 38%. Donc, c'est des résultats. Nous, habitués dans l'école traditionnelle là qui, par exemple, peut dépasser plus que 30-35%. Mm-hmm. Donc, le nouveau secondaire là, c'est une réponse à tout ça. C'est une réponse à une école qui, si l'on regarde le document d'orientation et innovation secondaire là, une étude qui était faite par le professeur Moisset et le professeur Georges Gaston-Mérisier qui montrait que son cohorte de 1000 élèves qui entrent en 9e année fondamentale, c'est seulement 78 qui finissent fait classe 100 après 12 ans. Alors, mm-hmm. On dit que sur
sous même quantité ça c'est 31 chefs de mission sans ou pas doubler. Donc nous gagnons 78 qui finit sous 1000. Donc ce qui signifie nous fait 922 cas d'abandon et de abandon et puis redoublement. Donc c'est un système l'école j'en étais longtemps et c'est à ça nous des secondes traditionnelles là qui fabriquait ça nous relait et abandon et alors, nous allons dire pour nous chica sur approche comparative là. Mais en expliquant, en loin et en loge, comment nous architecturer le nouveau secondaire dans ce système ça que nous avons là. Voilà. Le nouveau secondaire là, c'est l'école qui est allée sur une période de 4 ans. Mm-hmm. Après la 9e année fondamentale. Donc après la 9e année fondamentale, nous avons l'école secondaire sur 4 ans. Vous gagnez, sur 4 ans, vous gagnez 2 années de tronc commun, secondaire 1 et secondaire 2. Mm-hmm. Ensuite, vous gagnez 2 années, en disant comme ça, de spécialisation secondaire 3 et 4. Donc au bout de la, après la première année du secondaire, l'élève l'a monté en 2e année. Donc au cours de la 2e année, on a dit fin 2e année, plus spécifiquement, il y a un test d'orientation qui se fait et qui permet à l'élève de à partir de sa capacité, le test d'orientation se fait et à partir du résultat élève là, à partir de sa élève là, dans différentes matières, et nous garder l'un qui s'élève là plus bon. Donc l'un qui s'élève là plus bon, l'un qui s'élève là plus bon, nous orienter là-dedans. Ok, donc choix ça a tout, il n'est pas fait seulement avec professeur, il n'est pas fait seulement avec élèves, mais il fait avec parents. Donc parents vont participer, voilà. C'est vrai, nous gagnons, bon, alors faut me dire, nous gagnons des petits déficits jusqu'à présent, mais Jean-Professeur Manigaré Mendili, plutôt pour le ministre de l'Éducation nationale qui justement fait généralisation et nouveau secondaire là, et plutôt nous marchons longue route. La bonne route là en boitillant que nous marcher la mauvaise route là comme si à l'aise. Donc il y a toujours des problèmes, on va pas tout avoir, on va aller tout bagarre là, mais nous, mais avec ça nous gagnons, on fait ce qu'on a. Alors gon élément qui est extrêmement important et pour nous cap garder nous là, on parlait de c'est sauver le maximum de monde possible que nous avons sauvé, parce que système ça Jean d'Abdil là, son système qui pratiquement détruit en pile monde, bah c'est des gens là qui vivent dans le retour dans le filon, même si ils aiment l'école, des gens qui ont 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui ont été composés dans le retour, pas jamais qui ont passé le retour. Donc, ils ont bloqué là, ils ont arrivé plus haut en termes d'études. Je ne veux dire, en un nouveau secondaire, qui je nous arrange, nous, par exemple, nous ne pas passer, et bien pour ne pas, tous les déperdissements, ça nous pas gagner, nous ne pas enregistrer en une structure. Tout à fait. Merci. Gagner, ça nous relève. Après, le temps à chercher l'offre évaluation, ce sont relève et remédiation. La remédiation est une fonction de l'évaluation. Donc, si je m'évalue en timoun, son période donnée, il faut me garder, par exemple, quels sont ses points faibles. Maintenant, par rapport à ses points faibles dans différentes disciplines, quels sont les compétences de développer dans différentes disciplines, il y a ce qu'on appelle la remédiation et l'encadrement. Donc il y a des heures supplémentaires d'encadrement et de remédiation que le ministère lui organise avec l'école pour élèves qui par rapport à certaines disciplines. Comme ça, si vous nous permettez que elles se comprennent. Parce que nous sommes dit tout à l'heure que ce sont l'école qui peut avoir réponse à la question redoublement et abandon. Donc si vous voulez pour avoir réponse à redoublement et abandon, il faut que vous cherchiez une solution. Ok, l'offre fait évaluation, ou bien des timons, nous prenons en charge. L'autre, nous avons ça dans l'école. Ils ont chargé ça dans qui espace, mais c'est un espace spécifique. Non, il n'y a pas dans l'école la même. Dans l'école la même, avec professeurs même, ou bien d'autres professeurs aussi qui baillent parce que. Nous avons des challenges là-dedans. Nous avons appris d'autres professeurs par rapport à mathématiques, par exemple. Ok, nous faisons cours mathématiques dans le lycée, mais dans notre ville, on va dire n'importe quoi. Donc, et moins que élèves ne sont pas passés. Maintenant, si pour même cours ça, dans le lycée de Thionville, il y a des élèves qui baillent des résultats, nous sommes capables de demander aux professeurs ça pour venir encadrer si nous savons qu'il est dans le lycée de notre ville. Quelque part, c'est une façon pour évaluer les professeurs. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, très bien. Nous, dans le nouveau secondaire, là, on approche par compétences que nous prenons. Et tout gon jan nou élaboré curriculum là qui foncièrement différent de jan té dans sa d'après l'école traditionnelle là et ba population ti explication et programme nou nous monter selon et approche par les compétences. Van di compétences là c'est on savoir agir dans la vie pour qu'à l'aise pour résoudre problème. Ouais, donc maintenant nous fait programme là comme ça en suivant et paradigme ça approche par compétences, c'est-à-dire que ou gagne contenu. Ok, ou dit professeur, mais qui ça pour faire avec Timonio pour être capable de développer ses capacités là.
Tu vois, donc, si on programme nous monter qui gagne là dans les trois colonnes, on va dire généralement, globalement, les gagne là dans le voici les contenus parce que on peut, on peut dire si vous nommez contenu, par contre, qui ça vous fait avec nous. Ok? Ou dit si vous nommez contenu, ou dit professeur, mais qui ça vous fait actif nous pour développer tel contenu. Donc, c'est nous, éducation ça, viser, et si nous n'avons pas comprendre, bien, permettre que si vous nous sommes capables non seulement intégrer la communauté, mais transformer la communauté. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Sur l'éducation qui est beaucoup plus centrée sur. Sur l'apprenant, sur le timon. Donc c'est timon qui qu'on éviter, qu'on guider à et découvrir propre connaissance. C'est plus le temps de dire on appelle. Le on appelle c'est plus ça. Ce que je fais, ce qu'on fait c'est pour bailler timon des activités par rapport au thème donné. OK, timon découvrir et la notion, la définition. Ouais, donc timon plus autonome. Ouais, timon plus utile, plus utile. Elle dit ça la pas prendre il beaucoup plus intéressé là-dedans. Ouais, lui ont intérêt pour lui. Donc ça va prendre dans la réalité. La réalité, c'est ça, c'est ça. C'est sous et le véhicule même où on prend majorité. Alors nous ouais, et par rapport avec le curriculum que nous établi et pour nouveau secondaire là, gagner on 6 matières, on t'a dit peut-être qui clé parce que moi toujours un accent particulier que nous mettons sur ça et dis-moi yo, ça 6 matières ça veut pour qui ça nous choisir c'est imposé. Par exemple, journée aujourd'hui, nous pas qu'à faire l'école sans pas faire éducation à la citoyenneté. Et d'autant plus que l'éducation à la citoyenneté, il y a une loi qui vote la chambre là, changer aussi une loi comme ça, sur l'éducation à la citoyenneté qui doit être obligatoire. Parce que je vous dis, nous avons un déficit de citoyenneté, si tu veux. La pays, excusez-moi si je m'ai utilisé pour ça, ou gagner éducation à la citoyenneté qui est en matière obligatoire. Ou pas qu'à former, je vous dis, un citoyen ici, c'est pas qu'on histoire et géographie. Enfin, deux, ou pas qu'à. Donc ça, je suis en train de dire les matières obligatoires. Mais les nouvelles matières, tu as le créole, ou gagner l'informatique, ou gagner l'économie, et vous gagner l'éducation physique et sportive. Donc, vite ajouter à l'éducation et à la citoyenneté qui ont une sixième discipline. Alors, n'a bien pour nous retourner sur différentes matières que nous et mettez accent sur nous, pour nous, pour nous, secondaire. Mais, comme qui est extrêmement important, tout à l'heure, on a parlé de durée formation sans dans nos secondaires, c'est 4 années. Pour ça, 4 années, nous choisissons, sous 4 années, nous choisissons d'aller pour comme ça. Oui, 4 ans parce que nous sommes un pays où la langue d'enseignement, ce n'est pas la langue maternelle. C'est pour ça. Donc, son problème de langue qui posait, qui fait que nous. Oui, il était qu'à 3 ans. Il était qu'à 3 ans, mais il est 4 ans parce que la première année, il y a des programmes qui allaient sous consolidation, ça t'a apprendre dans la 9e année. En fait, la 3e, c'est fondamental. La 2e année, il y a des bagailles qui commençaient à venir nouveau, quoi. Par rapport au commencer à devenir nouveau. La 2e année, tout fait orientation. Comme nous, orientation, on a toujours gardé depuis la première année du secondaire. Ok, pour garder par exemple la qui discipline, si mon et montrer plus capacité, lui montrer plus compétences. Donc maintenant qu'on est à la par rapport à ces compétences là, ou gagner en orientation qu'on fait pour lui là au cours de la 2e année du secondaire qui permet lui à le choisir en série. Alors on pas dit à l'heure que nouveau secondaire là, ce que nous sommes en train de faire là, la filière d'enseignement général du nouveau secondaire, les gars là dans 4 séries, les gars là dans la série maths physique, la série sciences de la vie et de la terre, la série sciences économiques et sociales et la série lettres langues A. Donc pour le moment, parce que le nouveau secondaire, c'est globalement deux filières. Nous sommes sur la généralisation de la filière d'enseignement général. Nous ne sommes pas encore, nous comptons faire l'implémentation, si vous voulez, de la filière technologique. Alors on a deux grandes filières, une filière d'enseignement général et une filière technologique. Okay. Alors, il y a un élément qui retourne à chaque intervention que vous faites là, c'est la question de généralisation. Parce que vous avez dit que journée aujourd'hui, nouveau secondaire, nous venons dans toute l'école, sur tout territoire pays. Nous avons commencé l'implémentation du nouveau secondaire en 2007, bien sûr, sous le ministre Gabriel Bien-Aimé, qui était prince à tel marqueur. Il était fond expérimentation. Là, 158 écoles. C'était 200 écoles avant, et puis il vient tomber à 158 écoles. Et chemin faisant, nous venons en 2015.
sous Maniga 2014-2015, sous le ministre de Maniga, les mêmes étaient jugés bon. Parce que forme d'autour, nouveau secondaire par rapport au résultat et que nous jouons l'examen baccalauréat. Donc nous avons un bac unique qui baille à Nessa petit résultat 75%. Ouais, alors que l'autre baccalauréat traditionnel. Donc tous les périssements, les pas élevés. Oui, les pas élevés. Chaque fois qu'il y a des petits problèmes par rapport à certaines disciplines, le ministère allait vers l'encadrement et la remédiation de certains élèves. Alors, pour retourner à la question, là, et vous dites, moi. Oui, pour qui est-ce qu'il y a Nissa? Oui, alors nous sommes. Voilà. Nous faisons généralisation première année en 2015-2016, année généralisation de la deuxième année, bien sûr, la filière d'enseignement général. 2017-2018 secondaire, rénové. Et 2018-2019 qui va être là, c'est la généralisation donc, de la filière. Donc, 4 années, là, pour le généraliser à partir de l'année, ça, année 2018-2019, dans toute l'école. Bon, ça mène nous à poser une autre question, parce que c'est fondamental dans l'académie ça. Est-ce que l'école, dans la structure actuelle que vous avez là, et par rapport avec ça, nous avons comme matériau, en mesure pour absorber ou bien pour permettre que nous secondaire ça établit les gens que nous-mêmes, dans le ministère de la société là? Gagner des mesures que le ministère a pris dans ce sens-là, par exemple, et pour nouvelles matériaux, il y a des contacts, ouais, il y a des accords que le ministère a signés avec certaines facultés, parce que la majorité des professeurs nous venons, c'est des professeurs qui sont de l'école normale. Ouais. Maintenant, l'école normale pas produit informaticien. L'école normale pas produit économiste. Pas économiste, l'école normale. L'école normale pas produit et on a indiqué un professeur qui est capable d'enseigner de l'autre matière qu'en cours éducatif. Physique et sportive. Donc, pour matière ça qui est nouvelle, nous allons côté des facultés comme pour ENAT, pour nous et pour ceux qui vont enseigner l'histoire de là. Ok, en plastique et musique, nous avons la faculté des sciences économiques etc. de Port-au-Prince, la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, qui bat nous, et professeur d'économie. Mais nous-mêmes, au niveau du ministère, ce que nous faisons, nous leur donnons la méthodologie de l'enseignement. Donc, ils ont un contenu, mais nous-mêmes, nous disons qui vient pour faire quoi. Très bien. Yeah. Alors, un élément qui est fondamental par rapport avec les matières. Par exemple, vous parlez d'éducation sportive. Imaginez-moi pour l'école d'avoir des espaces, parce que ce n'est pas seulement dans la salle de classe que l'éducation sportive l'a fait, il faut qu'on ait sous terrain. Tout à fait. Et vous avez parlé de questions et nouvelles technologies. Tout à fait. Et vous avez parlé de notre type de science. Tout qui m'a demandé que faut que l'école dispose d'un laboratoire de recherche. Tout à fait. Mais puis pour l'école, bon, ici, là, il n'y a pas disposé de bagages. Ça, qui je nous fais pour nous permettre que l'élève ait accès non seulement avec technologie mais également un laboratoire normal pour faire recherche parce que quelque part je vous dis à l'école c'est pratiquement vous dire recherche son programme qui chita sous approche par les compétences l'approche par les compétences dit que c'est savoir agir en contexte d'action donc ou gagner un problème pour résoudre mais quels sont les moyens quelles sont les ressources que tu vas mobiliser pour le faire maintenant ça c'est un problème maintenant ou gagner ou ensemble d'écoles qui vraiment est en difficulté par rapport à la question mais nous mettons tête nous ensemble les écoles se mettent ensemble dans un programme dans un système qu'on appelle réseautage ok qui permettent on l'école qui gagne faible moyen utiliser SOE et l'on s'entend parler de fonds d'affaires en seule l'école là l'école qui gagne beaucoup plus d'opportunités beaucoup plus de possibilités capable longer mais si tu veux by l'autre école qui est en difficulté par exemple sous éducation physique et sportive ils sont capables de décider ensemble au réseau de 10 écoles jouer nos terrains pour Timounio comme on a dit un esprit de partenariat qui existait en différentes écoles du ministère là et nous sensibiliser sur question. Alors, Maxime Mesila sont d'accord avec nous là et nous secondes là tout quelque part les chita sous bonne volonté et on sait que l'autre école nous t'a dit qu'il y a plus moyen oui mais il y a des propositions aussi qui ont été faites par la direction d'enseignement secondaire c'est pour ça que je dis des propositions et nous t'es pensé mettre 33 laboratoires d'informatique 33 laboratoires de sciences expérimentales et 33 laboratoires de langue vivante par réseau donc a dit là nous t'es prend un ensemble de 2500 écoles et puis nous dit bon un laboratoire d'informatique un laboratoire de langue vivante, au laboratoire de sciences expérimentales pour réseau ça. Donc, l'école, avec un inspecteur, ok, capable de décider, mais qui chargerait, mais qui espace pour. Alors, ça t'a demandé que mon gros zoning qui a fait tout pour ça. Permettre de regrouper l'école, ça, au ministère qui est entreprenant. Nous gagnons vraiment des bails qui en cours. Par exemple, nous gagnons un projet qui est sous décantation des écoles, sous question pour étudier proximité qui gagne entre l'école et l'autre. Ouais, pour que nous capables de dire, bon, l'école, ça, nous
capable mettre en réseau. Nous pas prendre par exemple l'école qui la centre-ville pour mettre en réseau avec l'école qui Pétionville. Ouais, nous capable dans même zone non par exemple en 2007 les élèves du lycée de Pétionville, moi me dit ça, et qu'on a fait éducation physique et sportive là Marie-Louise Trichet qui sont l'école ouais il y a l'idée nous développer entre eux qui permettent que quoi fait bien que vous connaissez la lycée Pétionville sont l'école qui fonctionne en deux temps. D'accord que le système non si nous articuler comme ça les situations de base qui sont très fragiles toute contradiction qui nous a cassé l'équilibre système non. Je pense que par rapport à la philosophie qui a dégagé dans le nouveau secondaire, par rapport à l'envie et l'école de gain pour faire l'autre bagaille et tout, et je profite de l'espace pour me saluer toute l'école pour organiser justement lycée, les collèges, etc., qui l'emballent ça depuis longtemps et qui a fait des efforts pour que l'on ait une autre, l'on ait de l'autre par rapport. Par exemple, lorsqu'on parle de réseau, le réseau déjà permet de nous faire partage de ressources humaines et matérielles entre les écoles, dont même zone quoi. Ouais, donc son bail intéressant que nous-mêmes nous obligés à le nourrir quoi. Nous pas mal à chercher et côté contradiction oui, mais plutôt que nous chercher des éléments pour nous faire nous avancer ouais comme si ce soit l'école. De toutes les manières contradiction là parce que dans le système n'a toujours une contradiction. On va suivre l'émission pour là Haïti 360 n'a pas l'éducation qui jeune nouveau secondaire qui a aidé. Nous on seul l'école et on pis bon l'école tout en pays d'Haïti et n'a fait ça avec Maxime Lesula qui même c'est directeur. Mais enseignement secondaire dans le niveau ministère de l'éducation nationale. N'a prend première pause en émission pour là, n'a tourné pour nous continuer à brasser l'idée et continuer à faire promotion, connaissance utile, connaissance éclairée en émission pour là. Haïti 360. Haïti 360, l'école c'est la vie, l'école c'est l'espoir parce qu'elle permet que nous construisons en l'autre façon et Haïti besoin justement que nous construisons en l'autre modèle citoyen pour permettre que le grand changement que nous avons espéré, que nous soufflons dans la caille, nous chaque là, et bien les rivières atterrissent tout bon vrai. À ce moment-là, on a parlé d'éducation avec Maxime Lesula, c'est même le directeur enseignement secondaire au niveau du ministère de l'éducation nationale et le directeur a souhaité livrer nous penser, ils font penser autour de l'architecture nouveau secondaire et qui s'est fait pour permettre que vous améliorez nouveau secondaire ça qui permet que plus jeunes et bien arrivent finir l'école et un diplôme de fin d'études secondaires ou dans mes et si vous êtes capable de relire comme ça parce que n'a pas eu de nouveau secondaire qui est différent de l'école traditionnelle là ça nous dégagé en avant qui était divisé en section A, section B, section D. Mais je vous dis à son l'autre réalité que le ministère à travers direction enseignement secondaire avec ses établi pour voir qui j'ai amélioré le système. Non. Mais Maxime Mesla, c'est par rapport avec l'ouverture, ça, pour ce que fait à l'heure là, que sont l'école Bolette là, pratiquement, et l'a éliminé de Pauli, même si le nouveau secondaire est arrivé et Chita, Jean d'Abbé Chita. Il l'a éliminé de Pauli, même parce que pour faire 14 disciplines, il bon, faut au minimum d'espace. Tu as, ou gagner 14 disciplines dans le secondaire, dont l'autre discipline, nous sommes parlé d'éducation physique et sportive, qui m'a dit quand même espace, même si. Même si plusieurs écoles qui ont été ensemble créent un espace pour que vous soyez capable de faire des cours. Mais des cours de l'école qui l'a valise nouveau secondaire. Là, parce que les parents ont plaigné, l'implémentation que nous commençons à faire des nouveaux secondaires, ils ont rendu compte que le pays dit vraiment dans le résoudre le problème de l'école Bolette. Là, et pas oublier l'école Bolette, là, c'est son perte d'argent lié et systématique. Et à chaque année, pour les parents, ils ont un pays. Là, est-ce que dans la réflexion rapide, à court terme, nous pas obligé de prendre ça en compte, bien que nous connaissons l'État lui-même, il n'y a pas de moyens pour l'absorber et flot d'élèves si l'école est arrivée fermée. Bon, nous parlons de logique de fermer l'école par rapport à programme de nos secondaires là. Au contraire, nous invitons l'école là. L'école nous dit soi-disant l'école Bolette. L'école qui est à l'école Bolette, ça c'est vrai, son l'école. C'est pas soi-disant, c'est l'école Bolette. Ça existe, ça existe. On l'école, par exemple, on est que on est que on plan là dans l'île, il pas marché, les où vont Bolette, pas marché. Donc les ouais comme si d'ado sont l'école qui marche. C'est des écoles comme ça. L'école comme ça, nous, ils pas capable malheureusement d'entrer dans le nouveau secondaire. Ils pas capable. Parce que pour entrer dans le nouveau secondaire, il faut un minimum d'espace et il faut un professeur autour qui alors, on a parlé de généralisation. Imaginons là, l'infini généralisé, nouveau secondaire, la région Abdia, là, l'école ça, il est pratiquement. Non, ça c'est d'ailleurs, si vous ne pas chercher. L'esprit de, comme d'a dit ça,
de solidarité ou bien souffler. Ou pas pour que les gens obligés de faire 4 chambres. L'école pour que ça ne va pas mettre ensemble avec l'autre qui fait 4 chambres, tout fait 8 et l'autre qui fait. Ou il y a des normes ministères établies pour ça. Qui dit mais qu'il y a pour l'école là. Donc si vous faites de l'école en fonction des normes ministères établies, là vous voulez un génie scolaire là dans l'école là. Oui, tout à fait. Ministère parce que à partir de l'année ça même, tout à fait. Il y a une dynamique. Il y a un ministère qui est élaboré, ça fait longtemps, et en fonction de programme de secondaire, des plans types d'école qui répondent effectivement à programme. Alors, tout à l'heure, on a parlé de questions technologie, hein, et d'ailleurs, il y a une matière, c'est justement technologie, voilà, que vous mettez comme nouveauté en nouveau secondaire. Et là, professeur, yo même yo pas forcément vous cap dit baigner dans la technologie, c'est vous parlez de professeur ou capable de prendre enseigner de l'école et une université particulière, mais vous ta permettre que vienne faire pour ça yo. Mais et l'autre professeur qui est dans le système là, par exemple on est sorti de l'école normale, qui va forcément on est qui maîtrise les nouvelles technologies, l'éducation la technologie d'ailleurs à travers le monde journée aujourd'hui à la son l'autre forme d'approche bien sous lui, son l'autre forme d'éducation tout. Donc qui gens nous compter et ben et numériser et nouveau secondaire pour nous permettre que technologie d'ailleurs sans technologie nous dire par l'éducation joue un rôle qui prépondérant en dedans et nouveau secondaire. Oui, tout à fait, n'a répondre pas mise en place, on va dire pas à partir de l'année prochaine, parce que en réalité même quand moi j'étais chef service de développement pédagogique, nous avons fait des propositions allant et nous avons fait un projet qui a été ratifié et accepté par le ministère de la planification, qui sous qui te dit la papier nouveau secondaire là à travers les départements, qui était estimé à 3,986,682,708 gourdes, qui était gagné la dernière toute question laboratoire informatique, formation enseignant, mais qui était tout qui était prend en compte tout ça n'a dit là. Bon, on connaît pays a pas tellement des ressources et donc question de volonté aussi, faut mettre beaucoup plus de volonté sur ce que nous voulons faire. Bon, il y a un projet à manquer. Nous manquons 20 ans, le ministère a manqué 20 projets. Et c'est peut-être ça, moi, merci Télévision Nationale pour l'opportunité. Et je pense que la technologie, pour ça, on obligé d'entrer là-dedans. C'est vrai, on n'a pas encouragé en faisant des formations. Ouais. Par exemple, si nous gagnons un laboratoire d'informatique, pour le moment, nous avons un laboratoire de langue là-dedans. Par exemple, il y a la question, ça, les plus que pertinente. Un professeur qui a enseigné sciences sociales, par exemple, ce n'est pas forcément un professeur d'informatique. Mais pour il utilise cette technologie-là pour faire son cours. Si nous avons un mini d'ordinateur dans la salle de classe, là, et le professeur est obligé à faire des recherches très poussées avec Timounio. Tout à fait. Il va aider des devoirs, il va aider des devoirs de recherche. Justement. Parce que le plus souvent, c'est Timounio qui a cherché. C'est Timounio, professeur, qui a mis à chercher connaissances. Cadre de, et ça n'a fait que les nouveaux secondaires là. Approche ma compétence, il y a des gens qui ont cherché. Donc maintenant, le professeur a venu, lui-même, il a analysé ça, il a demandé aussi un dépassement de soi pour même comme enseignant. Il a demandé beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de formation et pour enseignant arriver capable de remplir le rôle véritablement pour l'école, ça n'a pas quitté le professeur. Très bien. Alors, quand on a parlé de nouveaux secondaires et qu'on fait coup de jeu sur l'école fondamentale là, et puis, fondamental, permettre les décisions. Hein. Un mec qui est fondamental dans le système. Non. Les gens que nous architecturer les nouveaux secondaires, est-ce que nous avons demandé pour nous arriver dans l'école fondamentale, la font orientation même pour nous y aller pour nouveaux secondaires? Bon, alors, faut bien dire, pourquoi parler avec directeur secondaire qui n'est pas directeur fondamental là? Sauf que ça nous fait la première année secondaire là. Nous, et comme tu as dit, et consolider sa team, nous apprendre la troisième cycle du fondamental. Ouais. Ensuite, pour nous continuer avec. Ouais, donc ça m'a dit. Bon, alors, il y a un débat, je vous dis, pour nous avancer sur lui, pour nous faire qui capable de. Comme tu as dit, cas intéressant, c'est à faire en sorte que l'approche qui est préconisée au niveau du secondaire rénové, c'est la même approche qui est au niveau du secondaire, en fait, au niveau du troisième cycle fondamental. Le troisième cycle fondamental, jusqu'à présent, c'est une pédagogie par objectif. OK? Donc, il est beaucoup plus sensé pour les enfants de les mettre en situation, OK, à partir de ça, au gain de l'environnement, que. Ou dit l'on bagaille, on appelle. Donc ça veut dire que gagner là, tout le débat, parce que le ministre, le directeur général là, tout.
tout bon cadre de captain et mission ça cap suivre mission ça capable de poser question vraiment sur fondamental là et ouais qui jeune qu'à articuler en termes de méthodologie d'enseignement ça qu'a fait la fondamental là et ça qu'a fait la secondaire. Alors et on parle de nouveau secondaire et, qui c'est jeune dit à une initiative nouvelle dans le système éducatif là bien que implémentation commence quelque temps déjà et pratiquement 7 ans c'est ça il commencé en septembre 2007. OK, dernier nous fait dernier baccalauréat unique là. Donc pratiquement c'est 11 ans. Pratiquement c'est 11 ans. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs pas vraiment 11 ans d'expérimentation, il faut dire que c'est 2007 à 2015. OK, pour avoir la généralisation de la première année du secondaire. OK, ensuite 2016 la généralisation de la deuxième année, 2017 la généralisation de la troisième année et maintenant 2018. Voilà, graduellement. Alors, il y a une chose qui est fondamentale et question ça me pense que les gens qui chitent à la caillou, qui regardent l'émission ça à soi là, ils ont attendu. Jodi a nouveau secondaire son espace côté et ti moun yo a pa prendre faire recherche tout à fait alors que nous avons université cap tanyo après et pratiquement la recherche presque pas une priorité université jodi a là parce que l'université dans pays ça n'a fait tout bagage mais c'est recherche n'a pas fait c'est que quelques éléments mais qui déroge à généralité a yo pas en pile donc est-ce que vous y a là bien des partenariats avec l'université ou bien gon dans ministère et bien l'idée pour faire université ou aplomb avec programme ça cap développer dans secondaire pour si mon dans secondaire lui-même il parle rabi en université nous pensons à ça oui nous tellement pensons à ça les petits moun nan sorti là par exemple ou ka font baccalauréat en maths physique pour le moment. OK, avec le nouveau secondaire. Ou ka font baccalauréat en sciences économiques et sociales. Ou ka font baccalauréat en lettres langue A. Ou ka font baccalauréat en sciences de la vie et de la terre. Ya? Maintenant, ou fois qu'on fait baccalauréat ça, si me font baccalauréat en maths physique, mais l'orientation au niveau de l'université, c'est soit faculté des sciences, ya, ou bien en dati l'école normale supérieure mathématiques. Université côté pas de recherche. Je ne peux pas dire ça. Est-ce que là, nous pas en porte à faux avec le système? Non, je ne peux pas cacher. Moi, je suis en porte à l'université. Il y a quelques gens qui ont boumé là pour faire recherche vivant dans l'université. Mais pratiquement, j'ai une université qui a fonctionné en recherche. Bon, c'est la force des choses va dicter quel comportement adopter, mais je ne peux pas dire que à l'université et y a pas fait recherche. Pour la simple bonne raison, grand pile, moi-même fait thèse, moi sur genre et assez. Alors il y a pas, il y a pas de systématiser en université. Voilà. M'pas pral là pour m'pas pral là trop parce que en réalité je me dis demain a dit le reste par exemple et si m'gagne parce que moi me dis ça que je suis en train de frapper au port des universités en Haïti très très fort avec le nouveau secondaire par exemple en Haïti quand tu vas il y a ce qu'on appelle les concours d'admission dans les différentes facultés et ben qu'est-ce qu'il y a si c'est 1000 si mon gars composé et la médecine c'est 100 le capot et ouais donc c'est 5 passés parce que pas mon problème d'espace il prend 100. Mais là, si nous avons 1000 personnes maintenant qui sont dans la maths physique, on a dit la nouveau secondaire qui a composé par le SS tout passé. Comment elle fait pour nous? Alors, il n'a pas oublié, il n'a pas parlé de tout. Ouais, système d'éducation, un système d'éducation qui est à la fois la dernière, qui prend l'école qui n'est regardé dans la préscolaire là, on prend l'école fondamentale là, et on prend le nouveau secondaire là qui a installé cette là. Mais l'université également, d'ailleurs, ce sera la rentrée de l'université très bientôt, même gens avec l'entrée des classes là. Donc, l'entrée, son maillon en plus en dans système ça n'a pas lié à là et il est difficile pour un bagage à fait dans une maillon alors ce qu'on a l'impression et maillon ça qui doit plus gros que l'autre là va même cas connecté avec l'autre là donc il est fondamental pour nous poser problème dans toute dimension pas oublier on sur l'émission pour là Haïti 360 n'a pas l'éducation avec directeur enseignement secondaire Maxime Mézilas lui même qui a fait le point autour justement de nouveau secondaire qui c'est une expérience nouvelle que dans le système là mais qui allait dans le sens pour une amélioration en de qualité éducation que n'a bail ti moun yo yon éducation que yo ta re mais qui ka servi ti moun nan non seulement pour le contrôle de réalité mais pour le ka transformer réalité ça tout dans l'idée pour le ka vivre pi bien en dan pays. Nous pral pran deuxième pause dans l'émission ça mais parole éclairée pour continuer parler tout de suite après pause.
Haïti 360, n'a pas l'éducation avec Maxime Mézila, directeur mais enseignement secondaire dans le niveau ministère éducation nationale. Maxime Mézila, sur une émission tout que le niveau secondaire a bien, c'est permettre que Timounio, dès l'heure où finit l'école, le sortir pour métier dans le meilleur, dans l'idée où quand entrer sur le marché de travail, là, si vous n'avez pas d'accord entrer dans l'université, et que des gens qui disent que ça va arriver fait, surtout par rapport à des problèmes structurels, ça qui vient dans l'école, quand on a implémenté le niveau secondaire, qui répond sur la critique ça? Et ben c'est justement pour parce que finissant nous, les bacheliers nous n'ont pas réussi à intégrer le marché de travail là. Et justement parce que nous n'avons pas réussi à entrer à l'université, qui fait nous montons l'école qui est plus près, une école qui vraiment est capable de tirer. Par exemple, l'aime prend l'informatique, par exemple, ça, on a parlé de technologie. On a qui sorti dans maths physique. Yeah? Et si les gars, n'importe qui, moi, alors, je me permets de dire, on est quoi. Il était capable, on fille pour me parler sexiste, quoi. Et il y a des possibilités de travailler sous une discipline, soit informatique, ouais, et pendant le film, faire classe en attendant, il continue à étudier l'université, ou bien il y a des possibilités. Même si on a qui fait lettre langue A, on est qui fait le temps. Alors, il y a un problème, nous, parce que, comme ministre, nous sommes, Manigal me dit que nous sommes pocophones. Pocophones, ça veut dire que nous parlons un peu de tout, nous ne parlons pas les français, parce que là, nous sommes l'école philo traditionnelle, nous ne parlons pas la langue, nous ne parlons pas le créole, nous ne parlons pas le français, nous ne parlons pas l'anglais, nous ne parlons pas la langue. Donc, plusieurs années avec nous. Nous ne parlons pas la langue. Nous nous disons qu'il faut changer, j'ai fait enseignement. Ce n'est pas vocabulaire seulement, ce n'est pas grammaire seulement. Ouais, mais il faut que nous fassions parler. Donc, ce qui signifie que un monde qui sort dans l'être langue à journée aujourd'hui, comme on a généralisé la filière d'enseignement général du niveau secondaire, mais le monde, il y a des travaux, des choses qui ont rapport à la langue, aux traductions, etc. Et des et, touristes qui viennent, etc. C'est vrai que la filière d'enseignement général, ce n'est pas la filière technologique. Là. La filière technologique que nous devrions implémenter, on va dire, à partir de l'année prochaine, les mêmes n'a plus de possibilités. Ça, par exemple, ou dans par exemple, tu vois des écoles, quand les timoun apprennent, hôtellerie quoi. Une fois timoun a vini, et timoun a fait classe, et puis bon, voilà la travail. Donc, elles sont les écoles pour ça qui a bon pays et que nous-mêmes n'avons pas forcé. Alors, dans tous les projets nouveaux, il y a la question du timing. Des gens qui ont demandé est-ce que par rapport avec le système Zaï, là, je vous dis, par rapport à la situation globale du pays, est-ce que c'est dans le bon moment nous venons avec ce niveau secondaire? Le secondaire là longtemps, il prend plus extension sous en 2015. Alors, il n'y a pas de période, il n'y a pas de temporalité, c'est pas admis ça, mais en 10 dernières années, là, c'est le meilleur moment pour le nouveau secondaire, lui-même vraiment t'apprend pays dans le pays. Nous sommes supposés qu'on l'école comme ça déjà, parce que pour nous déformer des mondes qui peuvent répondre et transformer, je t'ai dit à l'environnement. Nous sommes supposés qu'on l'école qui fait haïtien. Remet pays ou alors je ne sais pas ou l'ANIP ou les grandes etc. L'école qui t'a montré que ce que nous avons en Haïti c'est bien et c'est intéressant et nous devons vendre ça nous gagner partout. Même pas c'est pas trop tard, au contraire c'est à le moment ou jamais. Pendant le mouvement ça nous est là le changement etc. Pour que nous venions à l'école qui vraiment, on a dit on l'école utilitaire quoi, qui est utile citoyen. Citoyen sur l'école, et puis bon, l'école la permet de lui transformer tête. Il n'est pas obligé qu'on s'y d'abord ouvrir un job dans l'État. Ils jouent nos jobs dans le bureau. Ce sont des talents, ça y met la tête, son savoir agir en situation. Faut fonctionner dans le milieu comme individu. Faut transformer, faut l'utile tête, faut l'utile pays. Sur l'école, comme ça, on a besoin. Alors, et me pensez qu'il n'est vraiment pas trop tard. Alors, la raison d'être de question ça, c'est l'influence que la société a d'une manière générale. Dans l'école qui apprend l'informatique, qui apprend qui commence à faire premier palier dans les arts, est-ce que insertion son bagage qui est facile ou bien est-ce que dans le niveau secondaire tout, nous prévoit et question orientation ça et permettre que ne serait-ce que la crème de la crème nous sommes capables de vivre insérer et joindre opportunité. Ça dépend possibilité que le ministère a quand même créé pour Timounio, mais aussi ça qui est important c'est permettre Timounio, j'aime d'abdou d'aller à faire qui choix pour tête valoriser tête. Ce sont l'école comme ça, non, mais
pour que l'individu n'a pas senti comme si il dépend. En termes de solidarité, pas un problème, non? Comme si d'ado, ce qui se passe à Cité Soleil, c'est ouais. Mais en termes de individuel, si tu veux, c'est les capacités de tête, en attendant que l'autre bagaille qui vienne. Alors, nouveau secondaire, m'imaginez que le bon budget, par rapport à l'architecture, c'est vraiment difficile pour nous parler de quoi, mais ils sont bien en bon pour réaliser le projet, ça, il fait la théorie, surtout dans la quatrième année, là, qui vient généraliser, là, pratiquement, mais dit nouveau secondaire, puis la tête, là, qu'on y a là. Puis la tête, qu'on y a, mais on connaît. Pour question budget, les premiers, ils sont en question de volonté, d'équipe, etc. Et bon. Donc, il y a volonté, pas faire seulement. Oui, quand il y a volonté, pas faire seulement. Et par exemple, nous avons des formes pour commencer à faire sous reproduction et livres. Donc, ce n'est pas des livres, c'est des modules. Nous, pour secondaire, nous avons plus de moyens. Parce qu'en réalité, l'année passée, chaque fois que nous sommes sortis dans le niveau fondamental, et nous sortis dans l'examen, nous avons gagné combien. Par exemple, l'année passée, nous avons gagné 163 170 Timoun qui passent. Timoun ça va supposé dans le secondaire. Très bien. Année ça, nous avons 142 000 qui passent. Donc, forme d'agir, 142 000 modules de physique. Donc, est-ce que dans la subvention, hein, ça, est-ce que le problème n'a pas posé? Je pense que le ministre va penser sur ça et résoudre. Je n'ai pas besoin. Bon, son réponse est politique. Oui, mais bon, critique qui est assez virulente que vous faites à nouveau secondaire, c'est l'absence de manuel justement pour permettre que rapport entre apprenants avec mettre là lui-même est capable de faire de manière beaucoup plus bonne. Nous avons trois outils à nouveau secondaire. Nous avons premièrement les programmes. Et nous avons ensuite les fiches pédagogiques. Et nous avons ensuite ce qu'on appelle les modules. En fait, les modules, c'est des fascicules qui immédiatement permettent, qui immédiatement utilisables par Timounio. Voilà. Et manuel là, on a dit, ce sont des choses qui sont beaucoup plus élaborées, qui devraient venir en complémentarité avec ces modules-là. Et même parce que c'est vrai, il faut doter les écoles et les élèves, etc., en matériel didactique et pédagogique. Mais c'est vrai aussi, avec ce qu'on a sur le programme, il y a les fiches pédagogiques, pour ça, on outils là même. Dans le nouveau secondaire, le professeur ne veut plus avec 2000 de biel, est-ce que vous l'avez mis à faire coup. Donc il a. Il a ce qu'on appelle une fiche pédagogique quand même. Qui lui dit voici comment faire la leçon. Donc il y a là-dedans des activités. Les activités, c'est des tâches. Il y a aussi les programmes. Et puis bon, qu'est-ce que c'est? L'enseignant, s'il est formé, une des déficits nous gagnons, c'est la formation des enseignants aussi. Il faut nous mettre l'accent sur la formation des enseignants. Bon, la formation des enseignants, dans le cas du secondaire rénové, c'est la sensibilisation autour des documents qui sont là. Parce qu'il y a d'autres directions au niveau du ministère qui s'intéressent, qui doivent s'intéresser justement à la question de formation des enseignants, qui regardent le profil des enseignants. Mais nous autres, à la direction des enseignants, c'est la sensibilisation par rapport aux instruments qui sont en application dans le secteur. Donc ça veut dire que faut que le professeur aille former sous fiche pédagogique, il faut le former sous programme, il faut le former sous module. Donc ce qui signifie, une fois que le professeur a une formation, par exemple, il y a un talent d'abdo, que le programme qui est élaboré selon l'approche de la compétence, c'est trois colonnes, une colonne sur les contenus, une colonne sur les sujets sur l'activité d'enseignement et d'apprentissage, et une colonne sur les compétences spécifiques. Ça veut dire, voici ce que le professeur doit faire avec les enfants à partir de ces contenus-là pour que l'élève développe des capacités. Donc maintenant, si c'est indiqué, le professeur il cherche, il a, c'est lui-même maintenant qui va chercher quel est qui puis bon livre là-bas, le professeur a dit n'est pas bon. Le professeur a vu mettre ça l'affaire. Bon, et Guédé Mouni capable de dire, et par rapport avec ce qu'a fait là, et ça qu'a arrivé que vous créez une sorte de tension dans le système là, côté où on est Guédé Nègre, qui fait manuel là, et puis qui a exigé Timounio, yo même pour yo acheter manuel payo au lieu que vos manuels universels que vous servi. Et là, dans l'idée pour mon seul l'école là, manuel est disponible, vous avez un manuel que nous-mêmes, ministère, que nous reconnaissons.
Oui, et j'aime de là, nous-mêmes dans l'enseignement secondaire, nous montons à l'aide de. Son groupe d'enseignants qui fait ça. Mm-hmm. Son groupe d'enseignants qui fait, par exemple, le module de physique. Mm-hmm. Tu vois? Et à partir des programmes. Maintenant, il y a au ministère une direction qu'on appelle direction du curriculum et de la qualité qui gagne pour homologuer tout livre qui a sorti. Donc, si les gars viennent avec un livre, il n'est pas respecté le programme nouveau secondaire là. Mm-hmm. Ok? Il n'est pas respecté l'approche là. Nous ne pouvons pas homologuer les timonio, nous ne pouvons pas servir avec elles. Je dis, il faut que nous ayons même l'école et les timonio apprennent parce que les bagages. Haïti 360, émission pour l'arrivée dans Boutli, nous avons parlé d'éducation. Éducation, c'est toujours plus bon moyen. On a tous les sujets qui reconnaissent ça. Et Haïti, il n'est pas dérougé avec principe, il n'est pas dérougé avec ce qu'a fait de l'autre côté. Eh bien, si nous gagnons, si nous mal instruisons, l'avenir nous compromet parce que si nous n'arrivons pas à participer de manière efficace et effective dans la construction de l'autre société, côté monde capable de vivre en monde tout bon. Et par rapport à ce que tu dis là, nouveau secondaire, Jean-Welia, c'est une initiative qui vise pour permettre que bon meilleure qualité d'éducation en dans le système là et tout réduire tout déperdition qui gagnent tout dans le système là parce que quelque part si nous croyons ça et Maxime Mézila Stab dit à l'heure en intervention yo et ben et lui permettre que si nous sommes capables de continuer à étudier et capable tout investir et marcher du travail là parce que les gens qui quittent l'école sont capables de continuer à étudier dans le monde, permettre de défendre et jouer dans le club même pour taper l'université par la suite. Donc, il faut que nous toujours encourager l'initiative nouvelle parce que nous avons besoin d'idées nouvelles pour nous faire société ça arriver côté tout le monde arriver, côté la permettre que tout le monde vive en monde. N'a pas continué à parler éducation en deux émissions pour là, mais c'est à nos prochaines éditions. Côté rentrée des classes là, à gagner tout rayonnement que nous gagnons en dans Haïti 360 pour vos connaissances utiles, pas jamais camper. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Directeur, merci en ville. Merci en ville, c'est moi qui pour remercier Télévision 1, c'est moi qui pour remercier toute l'équipe. Et toujours disponible si il y a des clarifications de l'autre émission qui parlait sur nouveau secondaire, disposé et disponible. Merci à vous. Bye bye tout le monde.